J'ai eu l'occasion de présenter chacun d'entre vous, parce que là, Elisabeth Aubé du ministère de la Compassion des Arts, Denise, vas-y. Oui, c'est la secrétaire, plutôt conseillère, très, très efficace d'ailleurs, au ministère de la Compassion des Arts. Ça vous fatigue souvent, le ministère de la Compassion des Arts. Allons-y. Elle est là. Vous voyez, le ministère de la Compassion des Arts. Je lève la tête. Vous avez peur des caméras. De la Compassion des Arts. Non, ministère. Pourquoi t'as de compassion en même temps? Compassion des arts. C'est la trésorière. Très efficace aussi. Double Alfred, ministère de la Compassion des Arts. Voici le Jérémie, le seul Jérémie du Nord. Ministère de la Compassion des Arts. Ton nom c'est Jérémie. Ah mais nous on t'appelle Jérémie ici. Ok. C'est un nouveau converti. Il était celui qui prenait les appareils de la radio Bandama. Quand il arrivait à Zaroko, c'est fini, il est resté. Il dit faut qu'il reste dans le ministère parce qu'il a vu les miracles. C'est un tassinette, mais il a décidé d'être avec nous. Donc j'ai changé son nom, c'est Vénal à Jérémie. Amen. Voici le grand, grand, grand Mardoché. Mardouche. Vas-y. Dis ton nom. On m'appelle Mardoché. Ministère de la Compassion. Ministère. C'est un grand baoulé. Lui, il parle baoulé seulement. Des arbres. Voilà, c'est ça. Tu dis yo. Partout, il y a yo. Vous citez des baoulés. On y a des refaits du ministère de la Compassion des arbres. Nous sommes dans votre ministère de la Compassion. Dis Bango. Il est né célèbre, hein. Francisca, elle m'a donné une chaussure. Ça vient du même vendredi. Ne soyez pas jaloux. Tu choisis 42, c'est ça? Oui. Voilà, donc 42. Elle m'a envoyé une chaussure pendant tout ça. Parce qu'elle dit que tu es interprète, c'est vrai, souvent peut-être quand tu es une église, mais tu es connu internationalement, donc tes accoutrements doivent être propres. Oui, c'est mon nouveau contact que je viens d'engager au centre prière de Pugnière. Tu dis ton nom? Moi, c'est Boulevali. Voilà, donc c'est le nouveau comptable. Le nouveau comptable du ministère, voilà. Moi aussi, c'est un département très à part et tout ça. Pour dire en même temps que nous avons des charges, nos charges vont à 1 300 000 francs le mois. Ça dit, s'il vous plaît. Ça dit, il y a les loyers, il y a le personnel du ministère. Donc, pour ceux de la diaspora, vous pouvez déjà vous mettre ensemble. On aura l'occasion de communiquer là-dessus. Il y a le frère Patrice à qui j'ai dit un grand coucou depuis l'Allemagne, vraiment depuis Berlin. Merci, toi qui es en train de faire un travail. Il y a aussi la liste de tous nos personnels, la chaussure, la pointure des chaussures. Il y a aussi la mesure, tout ça, qui sont déjà sur papier. Pour ceux qui veulent aider les membres de ce ministère, il n'y a pas de problème. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je dis encore merci à Francisca. Parce que hier soir, on m'a appelé, j'ai échangé avec elle. Francisca, son mari arrive vendredi, ce vendredi-là de France, de la France. Elle m'a dit, mais celui qui interpelle juste à côté de toi, mais j'ai une paire de chaussures à lui donner. Donc, j'ai une chaussure qui viendra d'une sœur. Elle est une sœur gardienne, qui suit nos activités. Elle dit qu'elle aime bien ta maman de traduire les choses. Donc, ta chaussure sera là d'ici vendredi. Voici
Mugogo Soari, ministère de la compassion des âmes. C'est le monsieur qui a la plus petite pointure de chaussures dans le ministère. C'est combien? 40. 39-40. Petite pointure. Oui, voici le responsable de l'organisation. Voilà, le responsable de l'organisation, il est très aussi efficace en matière d'organisation. Oui. Oui, un membre aussi du ministère. Un membre aussi du ministère. Membre du ministère. Voici les deux pasteurs. Voilà. Toi, tu choses combien? 41. Ouais, tu te présentes? D'abord, Philippe. Pasteur. 40. 40-41. Lui? La monster, pasteur, la monster de l'eau. Tu choses combien? 42. 42, voilà. Voilà, donc voici aussi mon chauffeur, lui c'est Koulibaly. Voilà, oh, je voulais Eric. Voilà, tu te présentes. Voilà, membre du ministère. Je m'ai aussi dit merci à Jaël depuis le Canada. À Jaël depuis le Canada. Elle a décidé de vous confectionner les t-shirts depuis le Canada. Donc, on m'a envoyé 40 t-shirts avec les polos, avec les fusils du Canada. Donc, merci depuis le Canada, Montréal. Je dis merci à Jaël. Et puis toute l'équipe de Montréal qui ont décidé de nous aider. Et je crois que dans le mois de novembre, on aura la visite d'un pasteur qui viendra de Montréal. Mais je suis en train d'organiser ça. Donc, elle a décidé de nous aider dans le mois prochain pour nous avoir des t-shirts du Canada. Donc, merci déjà. Je te dis un grand coucou, Jaël, depuis le Canada. Et depuis, avec toute la communauté, ECAN Ministry Nouveau de Montréal, avec le pasteur, l'apôtre, qui est vraiment Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème. Nous serons très, très heureux de vous accueillir. De vous recevoir ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire et précisément à Divo. Et merci déjà parce que vous suivez nos activités au niveau de Montréal depuis le Canada. Et merci déjà pour les promesses de t-shirts au sein de ce ministère qu'elle a décidé de vous aider et tout ça. Donc il y a des gens qui viendront pour voir un peu tout ça. Merci parce que vous priez pour nous. Jaël, que Dieu te bénisse. Voilà, donc voici nos bien-aimés du ministère. Voilà, donc elle a oublié d'organiser. Tu dois organiser à ton niveau quelque chose au niveau de la France. La France, déjà, tu es en contact avec déjà Patrice. Patrice, il faut un réseau des gens de la diaspora. Il faut les gens de la diaspora pour aider le ministère. Parce que si nous sommes servis, si nous sommes bien à l'aise, nous allons faire un bon rendement sur le terrain. Combien? Qui t'amène au moins? Amen. Nous avons besoin de matériel. Ici, on n'a pas besoin, on n'a pas de sonorisation. Il n'y a pas de sonorisation. Il n'y a pas de véhicule pour de commandement et tout ça. C'est les gens de la brigade. Vraiment, vous qui regardez nos vidéos, vous aimez ce que nous faisons, aidez-nous. Aidez-nous à avancer dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres, même les travaillent pas, ils ont des grandes voitures, ils ont des sonorisations, ça reste là-bas, ça pourrit. Si nous avons la sonorisation, tout cela, ils seront pris en charge chaque mois dans l'évangélisé. Il y a toujours dit aux gens, en 3 mois, nous pouvons éradiquer la sorcellerie de la Côte d'Ivoire. Combien? En trois ans, nous pouvons chasser, détruire la sorcellerie. Si nous sommes terriblement équipés, la sonorisation, nous avons les véhicules, le ministère est soutenu. En 3 ans, c'est fini. Nous allons mettre tous les sorciers au pays. Quand on finit la Côte d'Ivoire, on attaque les pays africains. Et puis en 10 ans, l'Afrique est délivrée. Voilà, donc que Dieu bénisse, parce que les membres du ministère, shalom, que Dieu bénisse.